Moi, je suis favorable, plus généralement d'ailleurs, à essayer de favoriser la création française. Voilà. Là, on a des jeunes qui sont formidables dans beaucoup de domaines. Il y aura également, j'aurai l'occasion d'en parler dans le domaine musical. On a, par exemple, à l'UPR, un pianiste de talent, Nicolas Celloro, que je voudrais essayer aussi de promouvoir. On a des jeunes artistes qui sont à l'UPR. Allez voir, allez soutenir nos jeunes talents créateurs, nos artistes qui sont à l'UPR, qui ont fait le choix de venir à l'UPR et qui ont accepté de faire leur outing, si j'ose dire, c'est de dire effectivement qu'ils sont à l'UPR et donner un petit coup de main. Je crois que la communauté UPR, on doit se donner un coup de main aussi et favoriser la création en matière voilà, de sculpture, de peinture, de musique, de théâtre. Je suis entièrement d'accord avec lui. C'est pourquoi j'ai suivi ses conseils avant qu'il ne les formule. Pour ainsi dire, je l'ai précédé. Voici présentées 11 chansons politiques favorables à l'UPR. François Asselineau nous a ouvert les yeux à propos de l'UE, de l'euro, de l'OTAN. En fondant l'UPR, il a rouvert la voie de la démocratie et de la liberté. Votons pour l'UPR, ne restons pas collés derrière l'RPS, FN comme des loups. Votons pour l'UPR et sortons de l'UE par l'article 50, puis de l'euro, de l'OTAN. C'est la mort de la France, sa dislocation. C'est la mort du français, d'une civilisation. As-tu raison de croire qu'un État-nation c'est forcément colonialiste et xénophobe? N'est-il pas tout d'abord le toit de ta maison hérité de Danton, de Blum et de Gaulle? De l'Europe, mais nous renégocierons les traités. C'est le discours pour le moins interlope, qu'à croire nous sommes invités. Sans l'UPR, nous ignorerions encore que pour changer la moindre des virgules, au nom d'une majorité l'accord, mais de l'unanimité la canule. Je ne vote pas pour le gamin, je ne vote pas pour la marine, et si j'avais le pied marin, je mettrai les voiles aux Philippines. Fallait voter Asselineau, les Français ne sont plus des veaux, ils ont grandi, ce sont des bœufs, c'est l'œuvre des médias véreux. T'as voulu la rose bleue, t'en as eu les épines, tu as voulu Fillon, on t'a fourgué Macron, le seul qui parlait vrai.
fallait qu'on l'élimine. Vous n'entendez que ce qu'on vous a mis dans la tête. Vous ne voulez pas voir que l'UE tue la France. C'est à se demander si vous n'êtes pas bête, mais à sonner le glas de votre intelligence. Vous êtes abusé et en redemandez si votre enfumage se rapporte au taux de chômage. Vous n'êtes qu'un phénix qui s'est fait empailler, incapable d'effort, le cerveau en fromage. Il ne veut pas arriver au pouvoir à tout prix. Il le veut pour changer le destin de la France. Nous ne voulons pas Asselineau, ministre de Macron, au sein d'un élargissement dont on ne sait pas trop quoi. De moins en moins de France dans le seul vent régionaliste. Il est un mot épouvantable, c'est pragmatisme. Les politiques qui se réclament du pragmatisme sont ceux qui acceptent le réel tel qu'ils croient qu'il est, disait Natacha. Je dirais la même chose autrement. Sont ceux qui surimposent leur réalité à la réalité pour l'amener à être telle que la projette. Ne pas faire de politique, c'est faire celle de ceux qui la font à notre place par consentement tacite. Nous cautionnons ainsi l'accroissement du quart monde, les délocalisations, les travailleurs détachés, la mort des services sociaux, la fin du droit du travail, l'état d'urgence permanent. En 92, les Français ont dit non à Maastricht. En 2005, les Français ont dit non au TUE. Le Parlement s'empressa de trahir les Français. Et Sarkozy s'empressa de trahir la France. En 2017, les Français ont dit non à l'UPR. Voulant plus sortir de la nasse qu'il refusait. Désormais un gouverneur oligarchique règne sur la contrée ouest Europe qu'on appelait la France. Très dangereux car les avions passent sur la ville. Ah bon, ah bon. Si on reconnaît Nantes dangereux,
interdire les milliers d'aéroports au monde, en commençant par Notre-Dame de Chambéry, en commençant par Notre-Dame de Chambéry. Cela fait nombre d'années que les Français n'ont plus de choix politique réel. Tous ceux, LR, PS, qui monopolisent l'Élysée les uns après les autres, pratiquent la même politique de démantèlement de la France à tous les niveaux. Le pouvoir est confisqué au peuple. Le peuple n'est plus souverain. L'État ne le représente plus. Il n'y a même plus d'État. Un État bat monnaie. Un État fait ses lois. Un État établit la justice. Un État décide de la paix ou de la guerre. Nous sommes un peuple dépossédé de son État, une tortue sans carapace. Tous les partis qui prétendent tous à la création d'une autre Europe sont sous la coupe d'une oligarchie euro-atlantiste, Mélenchon et Le Pen y compris. Il n'y a aucun salut à attendre d'aucun parti médiatisé. L'UPR, Union Populaire Républicaine, est un outsider dont la vocation est la restauration du cadre démocratique, tel que cela fut fait par le Conseil national de la Résistance au sortir de la guerre. L'UPR est de fait le seul parti constitué susceptible de fédérer efficacement les citoyens. Vous pouvez retrouver toutes ces chansons politiques dans la playlist Chansons politiques de ma chaîne YouTube.